Et salut à tous et à tous, c'est Doko sur ton boulanger pour ce Grand Prix d'Italie qui est le 15e round de la saison. Donc avec comme leader du championnat Jeannot Clouté, devant Click-Clack et Mehdi Raoult et moi-même. Donc nous sommes en 5 points hein, puisque Jeannot a 133, Click-Clack 131, Mehdi 130 et moi 128. Donc et après il y a un gros trou, hein. Jean-Baptiste Banane avec 101 points, Cyril Le Belge avec 100 points et Lucas Simu avec 98 points. Après il y a un gros trou, hein, très clairement. Donc Jeannot Clouté qui en pôle devant Click-Clack, Cyril Le Belge, Aurélien Joyeusement, Mehdi Ramout et Quentin Chomeil. Voilà, je ne peux pas faire toute la grille parce que ça c'est impossible hein, de faire toute la grille. Hein. Here we goes. Oh, on va se faire rentrer. Voilà, allez. Allez. Allez, on se fait rentrer dedans et les commissaires qui disent que c'est nous. Mais oui, on commence à avoir l'habitude. Hein. Hein, évidemment, si on l'a pas déjà. Putain, il y en a un qui va me mettre dehors. Il y en a un qui va me mettre dehors. Non, ça va. Allez, allez, inside. C'est bon. Allez, on a The Mode. Mais The Mode, putain, il ferme la porte comme un con et on va dire que c'est ma faute encore. Oh. Allez. Sérieux. Non, mais The Mode, il m'enferme dans le gravier et ils disent que c'est ma faute après. Mais c'est quoi ça? Allez, on dépasse. Ouh là là. Ouh là 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 là. On va être prudent ici parce que... Hein, parce que là, Click-Clack, il est rentré dans Joyeuse Mort. Si j'avais accéléré un peu plus, ça aurait été moi. Et j'aurais été pénalisé, évidemment, parce que le commissaire, il pénalise le joueur. Voilà. Même si c'est victime ou pas, ils sont en mode bat les couilles, frère. Et là, on va dépasser 4 monoplaces, 5 monoplaces d'un coup peut-être. Et là, on est juste derrière Cyril Le Belge. Cyril Le Belge, qu'on va dépasser. On va dépasser Jeannot aussi. Et voilà, le lead. Voilà, easy. Allez, on est concentré. Oula, 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 oula. Ouais, c'était limite ça. Hein. On joue avec les limites, clairement. Donc Jeannot Clouté est toujours P2 devant Cyril Le Belge et Mehdi Ramout. Donc je pense que cette fois Ferrari ne va pas. Ferrari Mehdi Ramout ne va pas marabouter les Grands Prix avec les Tifosi. Oh! Mais juste quand je dis hey, juste quand je dis ça, j'ai le pneu avant droit qui est crevé. Juste quand je dis que Mehdi n'a pas marabouté la course comme la saison dernière, je me fais crever le pneu avant droit. Alors ça, si c'est pas. Hey, mais c'est pas une coïncidence. C'est pas possible. Mais c'est pas possible ça. Juste à la seconde où je dis ça, il m'arrive ça. Putain. Et après, on va me dire, mais non, mais c'est qu'une coïncidence. Laisse tomber. MDR, j'en peux plus. Ah, c'est tellement drôle ce jeu. Et Joyeuse Mort qui se retrouve P2. L'aile. Si c'est Joyeuse Mort qui avait marabouté le GP. Même s'il n'est plus chez Ferrari, bien sûr. Ah, il me rattrape, hein. Ouais. Pourtant je sais rien. Des fois le jeu il fait mode ouais les ordi te rattrapent à fond et des fois il perd du temps à fond. Enfin c'est un délire incroyable.
Allez, on va venir s'imposer ici à Monza. Yes. Et voilà. Donc Aurélien Ménès, malgré le marabout, je réussirai à être premier. Évidemment. Donc Aurélien Ménès qui termine P2 devant Jeannot Clouté, Cyril le Belge. Mehdi Ramoud qui termine 5e du coup. Mehdi Marabout. Ah, magnifique jeu de mots. Clic-clac devant Lucas Simu, Quentin Chaumet, Darkness Tiger et Antoine Roman. Bon, avec ça, du coup, je reprends le lead du championnat, je pense. À quelle course de la fin, hein, évidemment, rien n'est joué. J'espère que ce Grand Prix de Monza vous aura plu. Donc, on se retrouvera pour le Grand Prix de Brie. Allez, ciao, bye bye, les amis.